رديت عن المولى تعالى الذي ربى وادي وأغناني وأكرمني ربى رديت عن المولى تعالى الذي ربى وادي وأغناني وأكرمني ربى قنيت اليوم عبدا بذكري واني اكون فما اك غيس نغي اسبو ترخيه nga xamantene seigne lamine diop mo jitu si nga seigne lamine diouf mi nga xamantene ni mom la seigne youssou yebal ak delegation bi ñu yor accueil ngan gi ak flèche bi nga xamantene ñom lañ and ligey ligeyam bu mag bobu nga xamni xaritu yo ma sabti saminu hasar bi khidmatil mukhtari fi sahri safar ligéyam bobu nga xamni nak mom seigne touba néna lam fa doon wuti tono wu na ca kon ay délégation bu mak bo xamni ministre de tourisme gabon moko jité ak labbé muy labbé nga xamni mo yoré sarjou keur labbé bi nga xam fa la seigne touba amone juroomi at ci mayomba ak maire adjoint wu dëkk ba ñom ñoo and and nak ak membre karawanu mayomba bi nga xamni ñom lañu likétol di ligéy ci top jaar jaar seigne touba ci gabon wara ñew fi tay ji touba set seigne ñu bawo gabon ño xamni ñew deggal ci rek liggey seigne touba bu nangu ci gabon mo leen fi indi muy cadre yo xamni njitul rewum gabon ma nga xam mo fa nek muy president Oligui Nguema ak premier ak ministre d'affaires étrangères bi nga xamni moy Regis Onanga Momadou Ndiaye ñom ño ño likkel liggey bop bo balek mo ci nek di ñu ci taxaw
Assalamu alaikum, chers invités, chers hôtes. Serigne Moumtaha vous transmet ses chaleureuses salutations et vous fait montre de son immense plaisir de votre visite qui n'est pas un hasard. Tout à l'heure, je discutais avec le maire de Mayomba qui est un petit-fils de Samori Touré, qui renouait des liens de parenté religieuse, fraternelle avec Cheikh Ahmed Bamba. Donc ce n'est pas hasard. Tout à l'heure, il me disait, on avait un vol et on a un retard. Donc ce n'est pas un hasard que nous tombions sur ce jour saint de vendredi. Serigne Moumtaha, nous prions le bon Dieu de vous donner une longue vie et une santé de fer. Ils sont venus ici avec le ministère du Tourisme, avec les employés de l'ambassade du Gabon au niveau du Sénégal, avec les évêques, avec une forte délégation.
et ils demandent des prières pour la réussite de leur projet. Parmi les projets à Mayomba, une grande mosquée dédiée à Cheikh Ahmed Bamba, un grand institut islamique Mame Diarra Bousso pour éduquer tous les Gabonais, les Gabonaises et tous les gens qui viennent de partout le monde. Et aussi, de matérialiser le travail de Cheikh Ahmed Bamba partout au Gabon. Comme on a l'habitude de le voir, Serigne Touba voué une importance particulière à son séjour au Gabon. Donc ils sont venus ici pour demander vos bénédictions, votre soutien et vos prières. Voici l'évêque qui est venu, qui n'est pas un hasard. Le jour où Serigne Touba rencontrait les infidèles et l'évêque, il avait refusé de donner sa main aux autres, mais il a tendu la main à l'évêque parce qu'ils ont des liens de parenté en matière de religion. Donc, en un mot, ils sont venus demander vos prières pour la réussite de tous les projets et que Dieu leur donne une protection totale. Jerejef Serigne bi. Néna ñom sen réwma transition moko yor bo xamné président Oligui Nguema moko jité. Tay bëgg réwma jamm rek jafa daan am difa am ñuy sakku ñaan nak ngir ñom ngir réwma jamm ne fa ba li nga xamné mom la yéné lepp lolé lepp ñom ñu mën ñu ci jappalé ba ñu ba fañ bëgg ag rek mu ag fa. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour nous d'être reçus par vous. Sachant très bien que en de telles périodes, vous vous reposez et vous avez bien voulu faire une entorse à votre programme pour nous recevoir. Sachez que c'est un honneur pour nous. Je vous transmets également les salutations chaleureuses du président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, qui me charge de vous transmettre un message concernant la construction de la mosquée comme prévu par les textes de Cheikh Amidou Bamba au Gabon à Mayumba. Par la même occasion, le gouvernement gabonais, cette année, se propose d'encadrer la caravane touristique religieuse des Mourides au Gabon. Nous allons mettre à disposition quelques bus et assurer le carburant pour le transport Libreville-Mayumba. Je vous présente également la délégation qui m'accompagne, au premier rang desquels l'évêque Madega, qui est le responsable de Mayumba, qui a bien voulu nous accompagner parce que l'Église catholique est propriétaire du terrain, vous le savez, dans lequel Cheikh Amidou Bamba a vécu 7 ans, 7 mois et 7 jours. Avec moi également, le maire de Mayumba, à ma gauche, qui a bien voulu nous accompagner pour montrer, bien sûr, l'importance de cette mission. Permettez-moi, monsieur le calife général, de vous remettre les présents symboliques qui nous accompagnent. C'est un tableau un livre de Mayumba. Ce tableau, au centre, vous avez la carte du Gabon. Voilà. Fabriqué à l'aide d'une pierre la plus précieuse du Gabon, qu'on appelle la pierre de Mbigou. À côté de ce tableau, le maire de Mayumba va vous remettre les clés de la ville de Mayumba. Nous savons que les pèlerins viendront à Mayumba. Voilà.
Nous savons que les pèlerins viendront à Mayumba et vous êtes leur guide spirituel et nous avons pensé vous remettre les clés de la ville en sachant que vous n'allez pas pouvoir faire le déplacement. En même temps, à côté de cette clé, vous aurez, c'est le maire de la ville qui vous remettra cette clé. L'ouverture du Mouridis et de Mourid à Mayumba. En principe, c'est là-bas où on devrait la donner, mais comme le grand calife ne peut pas se déplacer, eh bien, vous gardez Mayumba entre vos mains. Et je laisse l'évêque vous présenter le troisième cadeau. Le troisième cadeau, c'est la torche traditionnelle faite à base de la résine d'okoumé. Et le koumé est l'arbre qui produit le contreplaqué. Et la toute première usine de contreplaqué au monde, c'était à Port-Gentil, au Gabon. Et la torche, c'est la lumière. Et à côté de la torche, je vous donne aussi ces deux Bibles que nous considérons aussi la lumière pour éclairer nos pas, comme le Coran éclaire le pas de nos frères musulmans. On peut toucher la Bible. Voilà. Nous remercions pour ce cadeau qui scelle la présence de Cheikh Amadou Bamba à Mayumba, au Gabon et ici à Touba. Et nous, comme ceux qui avaient accueilli Cheikh Amadou Bamba, nous vous donnons aussi d'implorer la grâce divine pour que le pèlerinage se passe très bien, que les bénédictions tombent et sur la communauté de Mourid, sur le Sénégal, sur le Gabon, tous ses habitants et sur l'Afrique entière, et sur toutes les parties du monde qui souffrent. Excellence, le Khalife dit qu'il est très honoré de votre présence ici à Touba avec l'importante délégation qui vous accompagne. Il dit qu'il mesure à sa juste dimension l'importance de votre délégation et cela également lui donne des souvenirs très importants certainement par rapport au séjour de son grand-père au Gabon. Il dit qu'il est venu au Gabon et que il était au Il dit que vous avez fait un acte de bien consistant à vous déplacer depuis le Gabon jusqu'au Sénégal et cela montre l'importance que vous accordez à Cheikh Amadou Bamba mais également à son œuvre, à sa mission importante dont la plus grande partie a été passée et réalisée sur la terre du Gabon. Il dit que votre déplacement ici est un motif supplémentaire, une exhortation si on peut dire, pour nous permettre de mieux comprendre et de saisir l'importance de la mission de Cheikh Amadou Bamba, mais également de raffermir ce lien indéfectible
qui lie le Gabon à Touba. Et également toute l'importance et la considération que vous accordez à Cheikh Amour Bamba qui a eu à séjourner sur cette terre du Gabon. Il dit qu'il vous remercie infiniment pour ces pas qui vous ont guidé du Gabon au Sénégal, toute la distance que vous avez parcourue, et il reste toujours déterminé, engagé à préserver ce lien de fraternité qui lie le Gabon à Touba. Il dit également qu'il est toujours disposé à maintenir cette flamme qui lie les deux pays, le Gabon et Touba, car ici au niveau de la ville de Touba, le Gabon jouit d'une importance particulière. Au même titre qu'au niveau du Gabon, il y a une considération spéciale pour la ville de Touba et il est toujours disposé à raffermir ce lien qui unit les deux peuples. Il dit qu'il apprécie à sa juste dimension les efforts consentis et surtout les efforts que vous avez eu à accomplir depuis le Gabon pour venir jusqu'au Sénégal. Donc au-delà de ses remerciements pour le peuple gabonais et les autorités gouvernementales, il a des remerciements particuliers qui sont destinés aux membres de la délégation qui ont eu la chance de faire le déplacement jusqu'à Touba. Il dit également qu'il remercie les autorités gouvernementales qui vous ont facilité cette relation et cette coopération. Et il dit qu'il réitère ses prières déférentes et demande au Seigneur d'accorder la paix, la prospérité au peuple gabonais et à tous ses habitants. Il dit également qu'il se réjouit de votre délégation, mais particulièrement de la présence de l'évêque de Moya qui dirige cette délégation religieuse. Et il dit également qu'il lui adresse ses félicitations et s'est dit très honoré de voir sa présence parmi la délégation gabonaise. Il dit merci beaucoup encore et vous remercie d'avoir fait le déplacement. أجرت الذي خلقا ما يرجو إجارة فسد الندى وجم وتكفين الباب هديت الذي خلقا Nous attendons de passer à moi. Venez.
وسلم تسليما على خير من لبى يا الله يا رحمن يا من أفزني فسلم بتسليم على خير من لبى يا الله يا رحمن يا من أفزني فسلم بتسليم على خير من لبى. C'est vous qui nous montrez tous les cas qui ont été aménagés pour vous ouvrir de la nouvelle saison. C'est une résidence que nous avons construite dans un style islamique pour accueillir les hôtes du calife. Vous savez, parce que Touba, vous savez, toute ville doit avoir une fonction. Touba a une ville, est une ville qui a une fonction religieuse. Parce que c'est une ville qui a été fondée exclusivement pour la décoration. Soyez les bienvenus en tout cas. نبس الذي قلبي توفر تبدلا وجنبني الحجاب والكبر والكسبا أنني كرامات وكن لي بلا انتهاء بما فاق سني والتزف لي الصعبا مددت يدي يا مالكي راجيا لكم قريبا منيبا عن نساء الويس في الربا يا مالكي راجيا لكم قريبا منيبا عن نزا واكسف الربا نفيت الأزى عني فجل لي بأوبتي سريعا بلا كد ولي وسيل الأنباء لك سوري سيتني خادما نبي عليه صلاة منك تولي بها صعبا دعوتك في المغتال من اهل كلهم Comme chez vous. En tout cas, nous sommes ici pour vous dire que nous ne sommes pas à même de pouvoir faire ce que le calife veut. Mais nous allons nous efforcer autant que possible pour vous souhaiter les gens. Parce qu'il m'a dit personnellement que ce sont les 10 autres du calife. Donc, on doit tout faire pour être à la. Pour vous accueillir. Après, en tout cas, partout on a prévu des salons, on a prévu des tables de réception pour tout le monde. Après, vous allez sortir, vous allez être à l'aise. Ce n'est pas un hôtel, mais vous serez comme chez vous. Ça, c'est une résidence que nous avons construite exclusivement pour les hôtes de Cheikh Mouba. Il y en a d'autres encore, certes. Parce que vous savez, là, c'est lié même à la vocation et à la fonction urbaine de la ville de Touba. Touba accueille toujours des hommes. Et c'est normal qu'une institution comme la nôtre soit à côté de la ville pour accueillir ces hommes. Vous méritez plus. Tous les efforts que vous faites pour accueillir la caravane, nous en sommes conscients, tout le monde est informé. Ce que vous faites pour accueillir la caravane dans de très bonnes conditions, et tout ce que vous le faites pour toute la communauté musulmane, mais aussi également pour tout le peuple sénégalais. Ce news, il a fait plus que ce qu'on a demandé, parce que c'est lui qui a aménagé le débarcadère où le chef a descendu à Maïfa. Il a beaucoup fait vraiment. C'est tout ça pour tout le monde aussi. Le chef a prié pour sur la dépouille de son grand-père. Je sais qu'il est même avec nous. J'ai accoté de nous physiquement, il est pas là, mais il est à côté de nous. Moi, mais nous, 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 nous
وسار كنار الخل لبر ما يرقى أغاثني الغناء نمي الجيد من قضاء لبر ما يرقى مدادي وأقلامي ولوني وكلكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبا مدادي وأقلامي ولوني وكلكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبا نويت له شكرا كثيرا كما ما جنابي واسفي ولي رادهم درا ولي كلم الجنبا أقاسني الحنان من كيد من خلا وسارك نار الخل لي بر ما ينبا